Imaginez que, comme moi, vous soyez ici, seul. Alors moi, je ne suis pas seul, mais imaginons que vous soyez seul dans la forêt, donc entouré de tous ces arbres, et que vous vagabondiez en fait dans cette forêt, à l'écoute de ce qui vous entoure, autrement dit, à l'écoute de la nature et surtout des arbres, attentif à tous ces arbres, alors plus ou moins grands, plus ou moins majestueux, plus ou moins inquiétants, étrange, mystérieux qui vous entoure, eh bien vous allez voir qu'à partir d'un moment, ben vous n'allez plus du tout vous sentir seul. Ça, c'est quelque chose d'universel. Alors vous allez ressentir la présence prioritairement du végétal, de tous ces hôtes sylvestres. Enfin bref, tous les arbres, vous allez les ressentir plus ou moins selon que vous êtes sensible. Et au bout d'un certain moment, toujours en cheminant solitairement, entouré de ces entités végétales, si vous êtes plus ou moins sensible, vous allez ressentir d'autres présences. Des présences qui ne sont pas les arbres, mais qui pourraient faire partie alors, du décor des arbres, ou alors des présences qui sont entre guillemets attirées par ce milieu, parce que vous êtes inséré, intégré dans ce milieu, et seul, bien sûr. Alors, bien sûr, on va me dire, ce sont des choses de votre imaginaire que vous allez voir apparaître, que vous allez découvrir de manière intuitive, de manière invisible. Vous allez ressentir des choses que vous ne voyez pas. Vous allez vous persuader que vous êtes accompagné d'êtres que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous connaissez. Ça, c'est selon votre sensibilité. Vous allez projeter sous vos cauchemars, vos fantasmes, vos rêves, vos délires, pourquoi pas, à travers ces présences ou pseudo-présences. Tout dépend de si vous avez un esprit critique, si vous prenez vos distances par rapport à ce que vous ressentez dans cette forêt, etc., etc. Voilà. Et au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir, c'est toujours si vous êtes seul, alors bien sûr avec aucun être humain, pas de promeneur, vraiment seul, et vagabondant comme ça, errant à travers la forêt, vous allez vous apercevoir que finalement, vous allez avoir un monologue intérieur qui va se transformer en dialogue. Vous allez vous adresser vous allez vous surprendre, parce que vous n'allez pas vous en rendre compte peut-être sur l'instant, mais après coup, vous allez vous surprendre que vous, en fait, vous étiez en dialogue, en communion avec, alors, dans un premier temps avec les arbres, vous allez trouver ça fou, quoi. Et puis dans un second temps, ou alors en même temps, ça tout dépend de votre sensibilité, de beaucoup de paramètres, en même temps, vous allez vous rendre compte, vous allez également vous adresser à d'autres entités, invisibles, alors invisibles, qui au bout d'un moment vont vous apparaître, ou sembler vous apparaître. Je mets toujours des conditionnels, des mots pour atténuer le caractère irréel ou réel. Puis donc vous allez vous apercevoir que vous ne serez pas si seul que ça, alors que visiblement, rationnellement, vous allez vous définir comme quelqu'un qui erre solitairement dans la forêt, quoi. Vous allez vous dire, non, mais ça c'est selon la raison, la rationalité que nous avons tous les jours, mais ça ne résiste pas à l'épreuve du réel, si je peux dire, à l'épreuve des faits. Parce que dans le réel, dans les faits, ou alors dans les faits que vous allez projeter, pour vous, vous ne serez pas seul. La preuve, c'est que vous aurez peur. Si vous estimez être seul et n'avoir aucun sujet d'inquiétude ou des éléments étranges autour de vous, vous allez marcher sans penser à ce genre de choses. Votre imaginaire ne va pas travailler, et puis voilà, ça sera très rationnel, et vous n'aurez aucune raison de dévier votre regard. Si ce n'est pour admirer les arbres. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, la solitude n'existe pas vraiment. Alors encore une fois, solitude, qu'est-ce que la solitude? Est-ce que le fait d'être entouré d'arbres, est-ce qu'on peut considérer que les arbres, ça brise la solitude? La notion de solitude commence à partir du moment où on est moins de deux. Est-ce que la solitude, pour vous, c'est nécessairement lié au fait d'être avec un animal, un chien, un chat? Est-ce que si vous êtes avec une mouche, vous pouvez considérer que ça brise la solitude? Je ne pense pas.
Il faut que ça soit quand même à l'échelle humaine. C'est-à-dire animaux sensibles qui nous ressemblent, quadrupèdes, etc. quoi. Oiseaux, quadrupèdes, êtres humains. Mais alors, ça peut aussi se nuancer hein, jusque à travers la présence de végétal. Bon, cela étant dit, bref, vous allez estimer que finalement vous n'êtes pas si seul que ça, que vous dialoguez avec des choses, des êtres, des entités plus ou moins visibles, plus ou moins imaginées ou plus ou moins réelles. Si vous faites l'expérience en pleine nuit, là, ça va décupler tout le ressenti. Votre imaginaire va galoper, vous allez avoir peur, vous allez courir, vous allez être inquiet, etc. quoi. Donc c'est bien la preuve que vous ne serez pas de marbre. Et si vous n'êtes pas de marbre, c'est qu'il y a quelque chose. Et après, on met sur ces choses eh ben, des mots comme imaginaire, hein, imagination, rêve, fantasme, etc., etc. Ce qui est bien la preuve que l'être humain, hein, l'homme, ben, n'est pas une machine rationnelle. Hein. C'est-à-dire que même si on met le rationnel expliqué dans tous les sens, ben, ça ne suffit pas à calmer un être humain qui est dans une forêt en pleine nuit, même en plein jour, hein, mais raison de plus en pleine nuit. Bon, ça veut dire qu'il y a une autre réalité hein, sous-jacente au visible, à tout ce qui nous entoure. Et la forêt, bah, c'est le lieu emblématique où toutes ces choses-là se passent, hein, ou ne se passent pas, se passent plus ou moins réellement, donc plus ou moins irréellement. Mais en tout cas, ça se passe, ça c'est certain. Bon, l'homme étant un être sensible, ce qu'il capte, selon moi, n'est pas gratuit, ça n'est pas du néant. Parce que même quand on parle d'imaginaire, ça n'est pas rien l'imaginaire. Hein. L'imaginaire, ça ne vient pas de rien. Il y a quelque chose de sous-jacent à ce qui est impalpable. Sinon, ça n'aurait aucun effet sur nous. Si ça a de l'effet, indirectement ou directement, ou à travers des rêves, ou à travers le réel, à travers des images vraies ou fausses, s'il y a interaction entre ce qu'on imagine ou ce qui est réel et ce qu'on ressent, c'est bien qu'il y a quelque chose. Pour en revenir à mon autre vidéo où je racontais, c'était ironique bien sûr, hein, le fait de la forêt en plastique. Eh bien, traverser une forêt tout en plastique, vous ne ressentirez rien. Donc ça, j'en suis certain. Même en pleine nuit, vous ne ressentirez absolument rien. Votre cœur restera de glace, de marbre, insensible. Mais si vous traversez une forêt végétale, là, ça va bouillir en vous. Voilà, rien ne sera inerte. Hein. Vous allez ressentir de vraies choses.